Salut les amis, bon, on se retrouve pour une petite vidéo là, pêche rapide, allez, une journée vite fait à l'arrache. Bon, ça sera plus une pêche en famille là, parce que je suis avec mon fils, ma femme va nous rejoindre, mon beau-frère, sa femme. Donc on est à mon étang, tranquille, on va se faire des grillades. Donc on va pêcher avec les pelets de la précédente vidéo. Là, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et on va pêcher toujours à la dessus, on va pêcher toujours à la maïs crunch Tiger chaîne vigrier. Et en amorçage, bon, il y a le pelé. Vous voyez les pelés qu'on a fait hier, le maïs doux que j'avais oublié de mettre dedans. Donc voilà, il est là et quelques pelés. Voilà, un petit mélange comme ça avec la bouillette entière et concassée de maïs crunch Tiger chaîne vigrier. Voilà, on va pêcher à l'assiette, déposer les montages comme d'habitude, une poignée d'amorçage dessus et on va attendre et on espère prendre un poisson, ça sera sympa. Donc les montages, je vais vous les faire voir après là, quand je vais monter les cannes, parce que je vais changer les bobines. J'ai ma dernière vidéo pêche étant en rivière, donc j'avais mis la tresse. Là je vais remettre les bobines nylon et puis monter deux cannes vite fait au nylon avec hameçon sans ardillon et fluorocarbone. Montage léger, même si on pêche dans les nénuphars. Donc voilà. On va pêcher pas loin des nénuphars comme d'habitude, on va pas pêcher carrément dedans. Donc faudra pas traîner à aller ferrer les cannes. Voilà la stratégie d'aujourd'hui, ça sera plus une partie de rigolade je pense. Mais on espère faire un départ en direct et vous faire voir quelques jolis poissons, pourquoi pas des carpe-coeil. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, première touche. Bon, il y a pas mal de poissons blancs qui viennent dessus. On a des petits bips. Premier poisson qui fait un bisou, Jaron. Non, un bisou avec la mouche. Ouais, d'accord. Pousse-toi, pousse-toi. C'est pas un bisou, ça. Regarde-le. Hystérique, le chien. Tu veux être sur la photo? Viens là, Jaron. Viens là. Assis, assis. Non, là, viens là, là, assis. Non, assis là. Bon, vous avez vu, le chien, il est un peu hystérique avec les poissons. Bon, vas-y, voilà. Souris. Les pelés fonctionnent, toujours avec la même bouillette. On va relâcher ce petit poissonnet là, qui demande qu'à grossir. Allez, c'est parti. Attends, on peut pas l'accrocher au bout de la mienne. Elle n'a pas demandé son reste. Ouais, baisse. Bon, Christophe vient nous piquer un poisson, enfin. Depuis tout à l'heure, il mouille, il mouille, il mouille. Ouais, pas si vilaine que ça. Une petite éclaircie, ça nous fait une touche. Ah, elle est pas si vilaine. Hein. Non, elle n'est pas si vilaine que ça. Enfin bon, elle fera pas 12 kilos, il n'y en a pas dedans. Je le saurais, je l'ai vidé. Prends ton temps, t'inquiète.
Ah bah merde, elle était juste là. Bah oui. Elle est encore juste là. C'est une commune, tu as de la chance. C'est pour ça qu'elle est nerveuse. Ah, puis à mettre des sacrées roches là-dedans. Mais... elle en veut. Ah putain, ouais. À part taper dans l'épuisette, elle fait pas grand chose. Il enlève ma canne. Ah, ça y est. Elle est dedans. Allez, baisse, baisse. Voilà. C'est bien battu en tout cas. Bon, bel beau-frère. 46 kilos. Ouais. On a eu des averses, des averses, des averses. Une petite accalmie, et bim, départ. Une belle commune, tout en longueur. T'as un petit mot à dire, Christophe? Oh, super. Super. Bah, c'était bien. T'as pris photo? Oui, mais attends, je vais prendre que la poisson, quoi, ça. Belle petite coco. Merde, bien battu. Ouais, ah ouais, elle se bat bien. Putain, elle a des montres. Moi, j'ai filmé le combat comme j'ai pu. J'avais l'épuisette d'une main, le caméscope de l'autre. Et à quoi elle était là et à quoi elle était là-bas? Karine, un petit mot pour le film? Oui, ben c'est bien. Au moins, il ne partira pas bredouille. Montre ça à beau papa. Il va être content. Elle est belle, celle-là. Pas de stress, il y a point S. Nickel. Oh, elle est moins grosse. Hein. Ok, on va la voir vieille. Attends, par contre, le mouillé, je sais pas ce qu'il m'a fait au départ. Là, c'est que t'as pas mis un coup de manivelle. Ah non, c'est pas celle-là. Non, c'est terre. Il y en a deux ou quoi? Ah si, c'est celle qui est meilleure. C'est bon. Bon, ben Christophe, deuxième poisson. Deuxième. Bravo, on applaudit. Ouais. Ouais, c'est celle qui est toute maigre, on sait pas pourquoi. Même canne, même endroit, même bouillette, même amorçage. Toujours amorçage au pelé maison. Alors. On va partir tranquillement. Bon les amis, petite vidéo va se terminer avec mon beau-frère Christophe, sa petite femme. On va tous rentrer. On s'est pris de la flotte pratiquement toute la journée. Hein Teteuf? Ah oui. Oh, merde. Catastrophe. Hein? Ah oui, de la merde. Et pendant les éclaircies, on a eu quelques touches. Bon, on voit bien qu'il n'y a pas d'activité, c'est pas énorme par rapport à d'habitude. Ça bouge pas tellement. Bah, on a bien rigolé, c'est bien fendu la gueule, et on a bien mangé aussi. Bien mangé, bien bu, et bien rigolé, c'est le principal. Bon, je vous mets le lien des pelés dans la description de la vidéo. Et je vous reprends s'il y a un poisson, sinon je vous dis ciao, bye bye les amis. Tell me that you love me, even if it's fake.